Bonjour à toi, cher spectateur, et parlons d'une suite qu'il y en a une qui attendait énormément ça, du coup c'était immanquable qu'elle devait revenir, pour parler de Kingsman, le Cercle d'Or, réalisé par Matthew Vaughn. L'histoire, eh ben, les Kingsman vont plutôt bien. Eggsy est donc devenu un Kingsman à part entière, il est même l'un des leaders puisqu'il a repris le rôle de Galagan, et du coup. Ils vont être la cible en fait d'une attaque qui veut anéantir les Kingsmen parce qu'en fait ils sont sur le point de découvrir un cartel de drogue dirigé par Poppy qui a un plan assez particulier pour dominer le monde. Bon, en tout cas c'est pas vraiment dominer le monde, c'est ça qui rend le personnage Bah, elle assez veut avoir attrayant, le mais pouvoir surtout, quoi. oui, elle veut Elle avoir le veut pouvoir, se mais sentir un pouvoir puissante. particulier. Et ça c'est peut-être le pouvoir intéressant du film en soi. Donc vous l'aurez compris, Capucine is back. Bon, Oui. c'est pas permanent, elle est juste de retour pour parler de Kingsman 2. Malheureusement, Oui. elle ne sera pas là la semaine prochaine pour parler de nouvelles aventures de Cendrillon, et elle va beaucoup manquer, je le sais. Mais déjà, elle est là pour parler de Kingsman, et on s'est dit entre nous que Kingsman ou les nouvelles aventures de Cendrillon, Kingsman est un peu obligatoire parce que ceux qui regardent la chaîne savent que c'était ton film préféré de l'année 2015. 2015? 2015 déjà? 2015, Kingsman, et oui, 2015. Ici, je t'assure, 2015. J'attends depuis 2015 Eh d'avoir une oui, tu suite! attends depuis 2015 d'avoir une suite à Kingsman. Ah, j'étais persuadée que c'était 2016. Eh ben Enfin non. bref, c'est pas grave. Donc voilà, bon, c'était assez attendu dans un sens, parce que c'était la même équipe donc, que le premier. Il y avait un esprit tellement particulier sur le premier film que résultat, ben, ça donnait tout de suite envie de voir ce que Matthew Vaughn allait apporter avec cette suite. Entre-temps, il avait bossé en plus avec Mark Millar et Dave Gibbons sur les nouveaux épisodes en BD de Kingsman. Donc, résultat, voilà, on voulait voir ce que Matthew Vaughn allait proposer avec ce deuxième film. Et c'est à ce moment-là, comme d'habitude, que je me tourne vers toi, Capucine, et que je te demande ce que tu as pensé de Kingsman, le Cercle d'Or. C'était badass. Ben moi, enfin, comme le premier, je m'attendais à quelque chose comme le premier. Et comme le premier, ça avait surpassé pour moi, c'était vraiment le renouveau du film d'espionnage. Alors là, mais je suis pas du tout déçue. Il est au top du top. Je suis plus mitigé que toi, mais je suis assez d'accord. Alors, je ne comprends pas pourquoi Internet s'enflamme et dit que c'est un mauvais film d'action et que c'est juste un espèce d'énorme pétard avec plein d'effets de style et pas du tout d'écriture. C'est pas le cas. On sent que Goldman et Vogue ne se sont investis et qu'ils ont cherché à créer une histoire. Peut-être que c'est d'ailleurs là-dedans qu'ils sont un petit peu loupés, mais le fait est que Kingsman 2 est clairement un divertissement au-dessus du lot dans le genre. C'est un divertissement pop, c'est un divertissement qui est visuel, mais c'est un divertissement qui a un amour profond pour le cinéma d'espionnage, qui est bercé par la culture James Bondienne à en crever, mais genre c'est imbuvable tellement des fois où on les voit les références et ça rend bien parce qu'il y a un amour du cinéma d'espionnage. Puis c'est tellement frais, enfin, Ouais, c'est c'est frais, jeune, oui. c'est dynamique et ça touche tout le monde, c'est pas spécialement que pour certaines personnes, enfin, c'est vraiment ouvert à tous et chacun a sa petite référence, quoi. Ouais, c'est du divertissement C'est. moderne. Et en cela, résultat, le film fonctionne à un vrai univers et est entraînant du coup. Et on est emballé par l'histoire, on est entraîné par l'histoire et à aucun moment on ne décroche tout simplement. Ah ouais, non. Clairement non. C'est Ah vraiment ben, la fou. scène d'introduction, comme je te l'ai Voilà, dit, ça en pose la sortant, base. Ça pose la base. la scène d'introduction est tellement oufissime et poilante que tu peux pas ne pas aimer le reste. Mais c'est vrai que pour le coup, je crois qu'il y a une minute d'introduction où vraiment les personnages sont posés et ensuite Vaughn y balance son action. Ah ouais, non, Et mais ça ça te met s'arrête dans le jeu pas. direct, tu sais ce qui t'attend et. Ah ouais, non, mais c'est cette scène-là, mais. Puis la manière dont c'est filmé, tout ça, comme je disais, ça me faisait trop penser à Sherlock Holmes avec de Guy Ah oui. Ritchie, C'est où là que c'est. c'était dans ce genre de moment-là qu'on voit que Vaughn a vraiment travaillé tout le long de la carrière de Ritchie et que c'est le mec qui l'a soutenu et qui l'a propulsé. C'est clairement là-dedans. Ah, mais c'est terrible. Mais j'en avais les poils qui se hérissaient, c'est poilant, vraiment Ah c'est ouais. poilant. En termes d'écriture, donc Jane Goldman et Matthew Vaughn, qui avaient déjà bossé sur l'écriture du premier film, reviennent donc. Jane Goldman, c'est la scénariste attitrée de Matthew Vaughn, a bossé avec elle sur Kick-Ass, sur Stardust, sur tous les films quasiment qu'ils ont fait ensemble. Je crois qu'il n'y avait que sur Layer Cake qu'ils n'avaient pas bossé ensemble, mais sinon ils ont toujours bossé ensemble. On ressent, moi je trouve que ça se ressent dans l'écriture résultat, on sent que c'est deux amoureux du cinéma d'action qui se réunissent pour pondre des histoires où va y avoir un florilège d'événements et de personnages qui vont faire que le spectateur à aucun moment ne va s'ennuyer. Et dans Kingsman 2, on ne s'ennuie pas en termes d'écriture, moi je trouve.
Ah non, pas du tout. Après, toi, par moment, t'as trouvé ça quand même un peu long. J'ai trouvé ça un peu long, mais c'est parce que... Je vais y venir, mais ça, en fait, je trouve que le film a tellement de choses qu'au bout d'un moment, ça... il y a tellement de choses qu'il prend pas le temps, en fait, de développer. En fait, finalement, j'aurais préféré que le film soit plus long pour qu'il développe plus certains instants, certains personnages et certains retournements. Parce que, à résultat, on a la sensation qu'il y a de quoi faire quasiment un film d'action de 3 heures dans lequel il pourrait y avoir des milliers d'histoires et des milliers de personnages qui pourraient s'entrelacer. Et pour le coup, il y a certaines scènes qui servent un peu à rien. Je pense notamment aux scènes, par exemple, avec le président des États-Unis qui, pour moi, sont quasi inutiles. En fait, on les enlève de l'écriture, ça ne développe rien de plus, en fait. Là où le premier avait quand même... Si, ça peut peut-être développer un peu une mentalité américaine existante. Ouais, mais, tu vois, dans ce cas-là, c'était plus intelligent dans le premier, avec cette idée que les chefs des différents pouvoirs en place vont se faire implanter la puce et que derrière, t'as tous les autres qui vont Après, être délaissés. Là, pour cas... le coup, ça donne un peu la sensation de vouloir remettre la même critique, mais de la mettre de manière moins subtile et de faire genre « Regardez, on va critiquer Trump, mais le mec, il a pas la même tête que Trump. » Ouais, mais après, dans tous les cas, je trouve que d'avoir l'avis du gouvernement, même si c'est dans un film, c'est toujours nécessaire. C'est important. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire. Les Américains adorent faire ça, les Anglais... Surtout quand on parle de tout ce qui est drogue et tout ça. Enfin, je trouve que dans tous les films, peu importe, dès que ça touche ce genre de sujet, t'as toujours l'avis gouvernemental. Tiens, qu'est-ce que le président pourrait faire, quoi. Mais là, c'est amené de manière pas très subtile, je trouve. Et résultat, ça... De toute façon, c'est pas sérieux. Ah, c'est pas sérieux. De toute façon, c'est il assume dès le moment où c'est planté. Mais résultat, je pense que cet élément-là de l'écriture est un peu lourd et pas assez développé et trop montré de manière anecdotique. Ça veut essayer de créer un espèce de pathos et de retournement à la fin qui est pas forcément nécessaire. Moi, ça m'a fait triper, quoi. Moi, je trouvais ça drôle, mais il y a des moments où je me disais vraiment, est-ce que ça apporte une profondeur à l'écriture supplémentaire? Là où on n'a pas forcément besoin de ça, en fait, pour se rendre compte que le plan de Poppy, en soi, est un plan qui est très capitaliste, quoi. C'est très... parce que... Sans trop en dévoiler, le plan de Poppy est, pour moi, je trouve, à mourir de rire, parce que c'est pas un, c'est un méchant. C'est un plan de méchant de James Bond rationnel, comme je dirais. C'est rationnel, en fait, comme plan ouais. de méchant. Oui, parce qu'elle veut rentrer dans le marché, au final. Oui, bien sûr. De ce point de vue-là, c'est drôle. De ce point de vue-là, c'est drôle, parce que ça fait c'est genre... C'est une manière comme une autre. Oui, c'est ça. Mais résultat, la manière avec laquelle c'est amené, c'est encore plus drôle. C'est ça aussi un point que je trouve très fort dans Kingsman 2, c'est que l'humour est vraiment subtil. C'est jamais lourd, quoi, comme humour. Non, non. Et puis, quand t'as toujours des phases de sérieux où tu... Toi-même, tu réfléchis, ah ouais, mais peut-être que... Et t'as toujours la vanne qui vient derrière, qui vient casser un petit peu ce sérieux, mais pas trop non plus. Et, enfin, du coup, ça coule très, très, très bien. Mais je pense, pour le coup, tu vois, et c'est là que je me dis, en fait, que le film aurait mérité peut-être soit être plus long, soit découpé en deux parties, quasiment, parce qu'au final, tu se... Après, peut-être un troisième. Ah, peut-être un troisième, mais tu vois, le truc, c'est que dans le troisième, il va forcément y avoir un nouveau méchant et de nouvelles histoires qui vont arriver. Et c'est dommage, parce que résultat, dans cette histoire, il y a une telle densité qui est mise en place, au travers, sans trop en dire, de personnages qui se retrouvent à disparaître, puis à revenir, à faire des allers-retours. Il y a une telle densité, en fait, dans l'écriture, que résultat, vouloir condenser ça sur seulement 2h20, ça semble presque un petit peu, pas ridicule, mais dénué de sens de vouloir absolument réduire ça sur un format de 2h20, là où presque, en fait, ça mériterait de durer 3 heures, d'assumer pleinement ça, de développer une espèce d'envergure dramatique qui serait quasi de l'ordre d'une espèce d'énorme tragédie de James Bondesque. Mais il y a des moments où je me disais vraiment, il y a des personnages qui disparaissent pour disparaître. Je pense personnellement, je pense surtout à Tequila, qui disparaît de manière... Et ça ne sert pas du tout le récit, en fait. Alors que Tequila est un personnage que personnellement je trouve très intéressant et qui, sans trop en dire, est montré comme un élément important de Kingsman par la suite. Et c'est juste des petits trucs comme ça, mais voilà, mais c'est pour moi Tu vois, ça m'a pas que Tequila soit mis de côté, tu vois. De toute façon, tu sens c'est le petit rigolo là qui a envie de jouer avec tout le monde. Qui s'emballait. Scène d'introduction où on le voit pour la première fois, elle est quand même géniale, quoi. Ah, j'adore. Elle est quand même géniale, et du coup, ça fait perdre un peu ça. Et puis après, par contre, tu vois, à contrario de ça, Whiskey, Ginger Ale, c'est des personnages qui sont vraiment bien développés, qui sont vraiment bien amenés au cœur de l'histoire. Et il y a cette espèce, voilà, de forme d'écriture qui délaisse des personnages de manière un peu gratuite, mais qui derrière en met d'autres de manière extrêmement juste en avant. Que ce soit Exig, que ce soit le retour de Harry,
qui a, dès la première bande-annonce, été spoilé, donc voilà, que ce soit Whiskey, donc, que ce soit Ginger Ale, tous ces personnages-là sont vraiment bien développés, et du coup, ça fait que même si on voit des persos délaissés et qu'on se dit ils auraient pu être développés, il y a quand même ces personnages-là qui sont présents tout au long du récit, et où on fait, ouais, quand même, ils arrivent vraiment à tenir l'histoire, quoi. Je sais pas, moi j'étais convaincue par ce développement. Enfin, je sais même pas si j'arriverai à être objective parce que j'ai tellement été emballée par ce film, par l'histoire des personnages, et qu'on en apprenne plus sur le personnage de Harry. Et enfin, son histoire est tellement drôle, enfin. C'est tellement perché, franchement. Ah, oui. Mais en plus, c'est le petit détail que dans le 1, tu vois pas spécialement sur son histoire. Et c'est seulement que tu t'en rends compte et je trouve que son personnage a été très bien développé. Oui. Mais après maintenant c'est vrai que quand tu le dis par rapport à Tequila qui a été mis de côté, sur le coup ça m'a pas gêné. Et c'est là en en parlant, c'est vrai que c'est un peu con. C'est vrai. En fait je trouve ça dommage, mais derrière comme je te le disais, je pointe un point négatif et ça fait ressortir des points positifs parce que du coup tu te dis Tequila est délaissé, mais Whiskey est hyper bien mis en avant et du coup un personnage auquel on s'attache vraiment, tout comme Ginger Ale. Champ fait un peu office de M version américaine et du coup rend vraiment bien. Enfin voilà, en fait on va dire que le film a une écriture qui est tellement dense qu'il y a forcément des points sur lesquels on se dit punaise j'aurais aimé que ça se soit plus développé, mais derrière tu te dis putain Harry, Merlin, Whiskey, Eggsy, ils sont tellement bien écrits et ils sont tellement une bonne densité dramatique que tu te dis bah c'est délaisser un point qu'on va forcément regretter pour mettre en avant un autre point qu'on va surkiffer et qu'on va adorer du début à la fin. Après quand tu vois la fin là du 2, tu peux dire voilà, peut-être que Tequila, c'était peut-être pour une bonne raison aussi qu'il a été un peu mis de côté. C'est ça. Peut-être enfin, mis de côté. Mis de côté. Entre guillemets, mis de côté. L'écriture le met plutôt bien de côté. Après, ça peut permettre de mais donner une densité dramatique sur les anodin. Autres épisodes. Ah, non, c'est pas anodin, de toute façon, ça mais se voit. Bon, j'aimerais bien qu'il revienne parce qu'il était plutôt badass, hein, ouais. Qu'on se le dise. Ça, c'est clair. Et ce qui est badass dans ce film, c'est la mise en scène de Matthew Vaughan. Oh. La vache, ouais. Ce mec est doué. Ah mais ces scènes enfin, de combat. Ceux qui avaient encore besoin d'une confirmation, parce qu'entre Kick-Ass où déjà il imposait des scènes d'action qui étaient vraiment bien filmées, le premier Kingsman qui avait une séquence de l'église qui est devenue culte, genre vraiment culte parce que c'est un monument de mise en scène et d'enchaînement de l'action. D'ailleurs il y a un petit clin d'œil dans le film à cette fameuse séquence-là, la séquence de baston de fin. Ouais. Mais bah, pour exemple, et je trouve que tu as très bien saisi ça, la séquence d'introduction est un modèle de scénographie. C'était, je crois, Reggie Gorilla qui pointait dans sa vidéo que les mouvements de caméra qui sont utilisés sont surréalistes. Ah, c'est... Parce que c'est genre dans des endroits étroits, il va être capable de reculer sa caméra de quasiment 2 mètres et de te faire des plans. Enfin, moi, je pense par exemple le fameux plan qu'on voit dans la bande-annonce où Eggsy grimpe sur la portière et se réfugie sur le toit du taxi. La caméra ne se limite pas uniquement à filmer ça. Mm-mm. Elle va carrément se pointer devant la bagnole, en contre-plongée et en débulé. Et elle va filmer Eggsy avec une putain de contre-focale où on va le voir sur la bagnole en train d'être accroché avec les deux voitures derrière. Enfin, c'est... Ah mais oui, c'est... Il faut avoir une paire de couilles monumentales pour faire un plan comme ça, quoi. C'est... Mais toutes les scènes d'action ont toutes un truc qui fait que c'est badass. Je vais encore le redire encore et encore, mais c'est officiel, mais c'est poilant. Mais vraiment, ces scènes d'action... Enfin, regarde celle qui est tournée en plan séquence dans le bar de Poppy. Oui, c'est voilà. Genre... Mais t'as plein de trucs comme ça, mais c'est un truc de dingue. Mais la séquence de descente de la falaise dans l'espèce de cage de téléphérique, c'est... Oh putain, non mais... Il est allumé, ce mec. Ouais, Matthew Vaughn est vraiment allumé. En termes de mise en scène, il y a... Ah mais il est hyper doué, quoi. C'est... En fait, il laisse place à des délires où il aime mélanger du réel et de la 3D. Ce qui fait que du coup, la fameuse séquence en bagnole et d'introduction est l'exemple parfait. On voit que c'est en partie tourné en réel, mais on voit également que c'est en partie tourné avec des effets spéciaux post-prod, de la 3D, des personnages qui sont recréés. Mais ça rend hyper bien. Ça rend hyper bien, ouais. C'est hyper fluide, c'est... Ça coule tout seul, quoi. Oui, c'est ça, ça coule tout seul, ça passe tout seul, et t'es en train de te dire, waouh, oui. Et résultat, il y a une vraie rythmique de montage, il y a une vraie densité, on se retrouve avec un film qui, résultat, n'a pas peur de tenter des idées à la seconde de mise en scène, et derrière, de se poser, de prendre le temps, de regarder des personnages, de laisser l'action se mettre en place. Après, je trouve que sur ce film-là, il y a un vrai hommage à Spectre. Et on le voit quand même à de nombreuses reprises, notamment dans le choix des paysages,
mais surtout dans le fait que cette fameuse station qu'on voit dans la neige fait clairement penser au refuge psychiatrique de Spectre. La descente fait clairement penser à la descente d'avion qu'on a dans Spectre. Pour le coup, je m'en souviens pas. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de clins d'œil à Spectre. Mais ça, je sais bien que tu t'en souviens pas. Ça, je sais bien. Elle avait un peu piqué du nez devant Spectre. Mais du coup, là, moi, je trouve vraiment qu'il y a ce côté-là. Et puis aussi, quand même, il faut reconnaître, et là, c'est peut-être plus un point négatif que je pointe, je trouve qu'il y a une tendance à délaisser un petit peu le côté James Bond à l'ancienne qui faisait le charme, en fait, du premier. C'est-à-dire que là où le premier était purement Sean Connery, là, Kingsman 2 a un côté Daniel Craig qui, par moments, je trouve, fait trop putassier, là où le premier avait une élégance et une simplicité qui rendait vraiment bien. Tu vois, je trouvais par exemple la séquence de fin du premier Kingsman qui se passait dans le hangar faisait vraiment penser à un James Bond à l'ancienne, un peu à la GoldenEye, un truc vraiment sobre et clean. Là, pour le coup, il veut tellement faire des caisses Matthew Vaughn que par moments, il oublie cette classitude de James Bond à Sean Connery pour être un peu plus putassier à Daniel Craig, et par moments, c'est un petit peu maladroit. Même si, quand même, il y a des putains d'idées, c'est un petit peu maladroit, je trouve. Ah, je sais pas, après, je pourrais pas trop développer sur James Bond, étant donné que j'aime pas James Bond. Mais après, peut-être que c'est un choix. Oui, voilà. S'éloigner un petit peu de l'univers de James Bond et d'apporter sa propre touche à lui, ouais. Quoi. Apporter plus un côté comic book, peut-être, vu qu'il s'est vraiment investi dans l'écriture du comic book. Peut-être apporter un côté plus comic book. Mais enfin, peut-être que c'est pas volontaire. Ouais, je saurais pas te dire. Bah, clairement, je saurais pas te dire. À réfléchir, mais... À réfléchir et méditer. Tout à fait. Mais ouais. De toute façon, c'est un film, je pense, qui ne peut que gagner en maturité, je pense, ouais. Avec l'âge, comme la plupart des films de Matthew Vaughn. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui redécouvrent encore Layer Cake et se rendent compte, en fait, que le film, à l'époque, était vraiment ambitieux et qu'il avait été un peu mal jugé. De toute façon, je pense que ça sera le cas de beaucoup de films de Matthew Vaughn, parce que j'ai remarqué, mais la presse aime rarement ces films, alors que les spectateurs sont souvent très, très friands de ce genre de divertissement. Au niveau du casting. Bon, toi, je sais qu'il n'y a que Colin Firth qui compte à tes yeux. De toute façon, voilà. Que Colin Firth, les autres, Taron Egerton, Julianne Moore, Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry, Mark Strong, elle s'en fout. Non, et Colin Firth. Franchement, j'ai vraiment adoré le casting de A à Z. J'avais un peu peur... Putain, j'allais encore l'appeler Steel Alice. Julianne Moore, merci. J'avais un peu peur avec elle, parce que bon, je ne suis pas spécialement friand de l'actrice. Mais là, j'ai beaucoup... trouvé, c'est pas français ce que j'allais dire, je l'ai trouvé très juste et son rôle est super sympa. Au début tu la vois un peu genre un peu maternelle et tout ça, t'as pas l'impression que c'est genre la vilaine, comme t'entends une vilaine quoi, comme dans les James Bond où tu genre c'est le méchant quoi. Comme le décrit si bien un présentateur à télé à un moment, elle a le profil type de la PDG ou de la psychopathe. Je trouve ça résume très bien le personnage. Et son personnage est super intéressant et je trouve qu'elle l'interprète vraiment très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle l'interprète avec beaucoup d'élégance, en même temps de la sobriété et en même temps cette petite pointe de folie qui rend le personnage attachant. Après, le caméo d'Elton John, je reste sceptique. Est-ce que ça c'était à dire? Parce que moi je ne le savais pas, j'étais très surprise et ça m'a éclaté. Alors moi je pense qu'on peut en parler parce que ça a été teasé partout et il n'y a personne qui le cache. Personnellement... Mouais. Bah après, bon, il a pas spécialement grand chose qu'on se le dise, mais ça fait sourire. Ça fait sourire, voilà, je pense que t'as trouvé le bon mot. Moi personnellement, celui que je trouve le ressort le plus, au-delà de Taron Egerton, qui est encore une fois excellent, qui est la vraie surprise de Kingsman et qui le confirme bien. Il est terrible. C'est tout de même Mark Strong qui joue Merlin, que je trouve hallucinant. Là-dessus, il envoûte le film et à chacune de ses scènes, il est parfait, je trouve. Mais là, une de ses prestances. Quand il rentre, je sais pas, il dégage quelque chose, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, pour moi, c'est le vrai coup de cœur du film, parce que même si Channing Tatum, Jeff Bridges et Halle Berry forment très bien le trio des Statesmen, je trouve c'est Mark Strong qui... Mais même dans le premier, Mark Strong, il était génial. Mais dans le premier, il était plus en retrait, là, pour le coup, il est tellement en avant. Après, c'est normal, il avait un peu le rôle un petit peu en arrière. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous fait... Il avait son rôle de Q. Oui, voilà, et c'est bien ce qu'ils nous font comprendre aussi dans le 2, c'est qu'ils veulent prendre plus de place. Et montrer qu'ils ont un rôle tout aussi important. C'est ça. Et c'est fait tout en finesse et j'adore. Ouais. Puis bon, on parle de Colin Firth. Vas-y, parle de Colin Firth. Mais lui, est-ce qu'il a encore besoin de prouver qu'il est bon? Il est sublime. Voilà, il est sublime. Je pense qu'on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose. Peut-être qu'il est magnifique. Il est gorgeous.
is obviously magnificent. Non, mais hormis ça, je trouve que quand même... Parce que bon, il est pas toujours très très bon non plus. Dans, je parle dans d'autres films que j'ai pu voir de lui, il est pas non plus... Mais dans ce film-là, je trouve qu'il apporte le charme à la britannique. Ah, voilà. Mais, oh là là, mais un pur gentleman, hein, qu'on se le dise. Là-dessus, je ne peux qu'approuver. Je ne peux qu'approuver. Je trouve qu'il apporte cette touche britannique tellement... tellement cool. So British. So British. Ah non, mais voilà. Enfin bref. Et ben voilà, on arrive à la fin. Donc, petite conclusion. Qu'est-ce que tu gardes au final de Kingsman 2? C'était le film que tu attendais? Est-ce que ça a même dépassé tes attentes? Alors, je dirais pas que ça a dépassé mes attentes, mais ça correspond tout à fait à ce que j'attendais, et toujours avec des petites surprises par-ci, par-là, toujours cette fraîcheur, ce décalage dans les scènes d'action que j'avais adoré dans le premier, que je retrouve dans le deux, donc c'est parfait, et moi je ne peux que recommander ce film, parce que c'est comme tu as dit, c'est un divertissement de dingue, quoi. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Je suis un tout petit peu restreint par le fait que je trouve le film est trop dense, mais passé cela, c'est pour moi un divertissement clé de l'année 2017. C'est un film qui est fun, c'est un film qui est enjoué, c'est un film qui est cool, c'est un film qui est pop, c'est un film qui est visuel, c'est un film qui est entraînant. Et du coup, lorsqu'on sort de Kingsman 2 de Matthew Vaughn, on est complètement emballé et on n'a qu'une envie, c'est de revoir ces personnages pour un troisième volet. Merci Capucine, du coup, d'avoir participé à cette petite vidéo. Ton retour sur la chaîne. Un retour qui était très attendu, mais voilà. C'est un retour qui méritait ce film. Oui. Comme d'habitude, nous allons dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien. D'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films. Évidemment. Allez, à plus. Gardez la banane. Oh la bulle, putain.